salle, et c'est bien, c'était bien. Maintenant, M. Fillon a aussi compris qu'il était là pour répondre à la question. Même s'il veut bien se contenter des applaudissements. Néanmoins, nous avons deux journalistes de talent qui sont là également ce soir. Je voudrais saluer Maïda Gravin, Nicolas Bétou, qui nous font l'amitié d'être avec nous. Et je manquerai à tous mes devoirs si je ne saluais pas son excellence Elisa Binoun, qui est dans la salle avec nous. Beaucoup de personnalités que je vois, mais comme je suis sûr d'en oublier quelques-unes, si je devais en citer une, je préfère en rester là. Et je passe tout de suite la parole à Maïdena ou à Nicolas. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. On est très heureux d'être là avec François Fillon. On a découpé cet entretien que nous allons avoir en trois parties. On va évidemment parler de politique. Nicolas traitera l'économie à l'international. Et je vais commencer tout de suite avec les questions de société et une question un peu plus personnelle. Je vais le soumettre à la transparence qui vous est imposée, François Fillon. Nous partageons deux choses, le Pays Basque et le même ostéopathe, puisque nous avons tous les deux un très mauvais dos. Vous m'avez gentiment prêté votre ostéopathe, je vous en remercie, mais je suis bloquée là, alors qu'il est, vous êtes évidemment du côté où ça ne tourne pas. Non, pas du tout, restez là. Comment va le vôtre, de dos? Très bien, très très bien. Pardon, je n'ai plus jamais eu mal au dos depuis 2008, depuis que je suis allé voir cet ostéopathe basque. Il est en retraite, il ne reçoit que quelques clients. Je pense que si tous ceux qui sont ici ce soir allaient le voir, ça poserait un problème. Il est à Montmartre. Alors on vous entend souvent dire en ce moment, autour de vous, on entend souvent cette phrase « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Visiblement, vous n'êtes pas mort. Êtes-vous plus fort pour autant? Bon, honnêtement, j'aurais aimé me passer de cet épisode et de ces traitements particuliers qui me sont infligés. Mais d'abord, il faut reconnaître que toutes les élections présidentielles dans le pays se sont traduites malheureusement par des crises comme celle-là, par des attaques personnelles, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ont eu à subir ces attaques et ces mises en cause. Simplement, la violence est de plus en plus forte. La violence est de plus en plus amplifiée par notre système d'information. Et donc, elle est plus difficile à supporter. Est-ce que j'en sors plus fort? Oui, j'en sors plus fort parce que j'apprends à résister à une adversité que je n'avais pas encore rencontrée. J'en sors plus fort parce que je ressens un soutien populaire et il s'est encore manifesté en entrant dans cette salle. J'en sors plus fort parce que j'ai une famille qui est très forte et très soudée. Et voilà, et j'en sortirai encore plus fort quand je gagnerai l'élection présidentielle. Alors, je reviens sur la première réflexion que vous avez faite. Vous avez dénoncé un assassinat politique dont vous seriez la cible. Et vous avez, au JT de 20 ans de Laurent Delahousse, tenu ses propos. C'est normal qu'à chaque élection présidentielle, il y ait un candidat, en général le favori, qui soit la cible de toutes ces attaques. C'est extrêmement troublant. C'est vous, cette année, en 2012, c'était Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous avez des informations sur un assassinat politique mené par votre camp contre lui? Non, mais j'ai pas désigné les responsables de cette situation et je ne peux pas les désigner parce que, contrairement à certains, je n'ai pas à ma disposition de cabinet noir qui me permette de conduire des enquêtes. Mais c'était un assassinat politique. Donc, non, ce que j'ai voulu dire, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, puis je ne veux pas donner le sentiment. Oui, enfin, c'est important, mais je ne veux pas me donner le sentiment que je mets en cause les institutions de notre pays, en particulier la justice. Ce que je veux dire simplement, c'est que. La situation politique dans laquelle on se trouve avec une primaire qui a désigné un candidat avec une majorité très forte, un candidat de la droite et du centre, le déclenchement de ces enquêtes, de ces accusations, de cette polémique, moins de 2 mois avant l'élection présidentielle, pose un problème. Et il n'y a pas que moi qui dis que cela pose un problème.
certains de mes amis, pas tous, mais il y a une formidable interview que je vous invite à lire dans l'Express de Jean-Pierre Chevènement qui résume très bien, au fond, le caractère préoccupant de cette situation. Alors qu'on se comprenne bien, je ne prétends pas que les responsables politiques ne soient pas des justiciables comme les autres, ce n'est pas le sujet. Mais vous dites qu'il y a un traitement particulier. Il y a un, voilà, ce soir. Oui, bien sûr, il y a un calendrier qui est particulier, il y a un calendrier judiciaire qui coïncide avec le calendrier politique, ce qui est étrange, et il y a un empressement qu'on n'a jamais vu sur des sujets pareils. Est-ce qu'avec le recul, il vous arrive de vous dire que vous avez été imprudent? Prudent dans quel sens? Imprudent dans les affaires d'argent, imprudent dans vos amitiés, imprudent dans la gestion de tel ou tel cas familial, imprudent. Simplement. Non, c'est pas le mot que j'emploierais parce que j'ai travaillé avec mon épouse pendant de très nombreuses années, comme un très grand nombre de parlementaires. Voilà, dans les années 80, c'était plus qu'un tiers. C'est une situation, ça je n'accepte pas que l'on mette en cause la réalité de ce travail. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que sans doute je n'avais pas senti suffisamment tôt que ces situations, pas seulement la mienne, mais ces situations au Parlement, prêtaient à confusion et à soucis. Et qu'il fallait donc soit y mettre un terme, soit les réglementer d'une manière différente. Et c'est ce regret naturellement que j'ai aujourd'hui et qui m'a conduit à présenter des excuses aux Français. Vous ne regrettez pas ces excuses? Non, de toute façon, je ne regrette jamais rien. Moi. Je suis tourné vers l'avenir et pas vers le passé. Certains ont découvert après cette crise pugnace, déterminée, solide, à croire qu'ils n'avaient pas compris que pour passer 5 ans à Matignon aux côtés de Nicolas Sarkozy, il fallait bien au moins ces 3 qualités. Certains électeurs aussi vous ont découvert. C'était beaucoup moins difficile que ce que je suis en train de dire le bon jour. Et d'ailleurs, vous aviez votre vieux. Et très malheureux. Votre camp vous a longtemps sous-estimé, François Fillon. Certains de vos éventuels électeurs aussi. Pourquoi et quelle est votre responsabilité dans le fait qu'on ne vous perçoive pas comme vous êtes? Vous êtes psychanalyste? Non, je suis journaliste. Je vous pose une question et c'est important. C'est vous qui le dites, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un peuple avec quelqu'un. Qui êtes-vous? D'abord, moi, je sais que c'est très difficile à dire quand on est candidat à l'élection présidentielle, mais je n'ai pas cette ambition chevillée au corps. Je ne suis pas né en me disant « je vais être président de la République un jour ». J'y pense pas tous les matins en me rasant. Je n'y pensais pas tous les matins en me rasant. Quand je suis devenu député, je n'imaginais pas qu'un jour j'entrerais au gouvernement. Puis un jour je suis entré au gouvernement, je n'imaginais pas qu'un jour je serais Premier ministre. Et il y a très peu de temps que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Après l'échec de Nicolas Sarkozy à l'élection de 2012, si Nicolas Sarkozy avait été réélu en 2012, j'avais déjà annoncé mon intention de quitter la vie politique et d'aller démontrer que j'étais capable de faire autre chose ailleurs. Après cet échec, j'ai considéré qu'il y avait un flambeau à reprendre, il y avait des valeurs à défendre, il y avait des enseignements à tirer de ce qu'on n'avait pas pu faire pendant le quinquennat de 2007-2012, malgré l'impulsion initiale qui avait été mise. Et donc j'ai décidé de faire le tour de France, de bâtir un projet, de lancer ma candidature. Mais vous voyez, à chaque fois, ce sont des démarches qui ne traduisent pas une ambition démesurée. Et peut-être que dans ce monde politique, c'est un caractère étrange. Mais votre détermination, on pourrait l'apercevoir. Alors, quand même, la détermination, elle a été sous-estimée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de l'élection à la primaire, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle que jusqu'au dernier moment, tous les observateurs expliquaient que naturellement je n'avais aucune chance dans cette élection, et 15 jours avant, je pesais 9% dans les sondages, ce qui m'en plutôt optimiste pour la suite des événements. Est-ce que vous pourriez nous aider et nous dire à quel héros de la littérature française vous aimeriez que l'on vous compare? C'est deux fois que vous soupirez à la question, François Fillon. Je vais bien répondre. Mais c'est un héros ou un personnage historique? Comme vous voulez. Plutôt Clémenceau. Clémenceau? Pour Clémenceau, je me souviens. Non, c'est un Vendéen. Clémenceau, je n'ai pas de souvenir, il était présent. Non, mais il a été accusé et traîné dans la boue pendant des mois et des mois avant d'être, comment dirais-je, de
voir son honneur restitué et d'être un grand personnage de notre pays. Puis c'est un Vendéen. Maïtena a dit que j'ai des Basques, en fait, j'ai la moitié de mon sang basque, l'autre moitié est Vendéen. Et beaucoup d'amis Vendéens. Bruno Retailleau en fait partie, évidemment. Bien sûr. Il est toujours un soutien pour vous efficace. Il est un soutien dans son cas des artistes, avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction surtout. Conviction. Voilà, la fidélité, les convictions, ça compte. C'est pas une qualité si répandue que ça. Et Bruno Retailleau, de ce point de vue-là, que je connais depuis longtemps, que j'avais repéré quand il était un très jeune élu vendéen, à qui j'avais confié des responsabilités quand j'étais président de la région des Pays de la Loire. C'est à la fois un homme de conviction, carré, et en même temps qui est capable de dialogue et d'ouverture. Donc il a beaucoup de qualités pour accomplir des missions au service de notre pays. Au travers de cette crise, je me demandais si vous restiez le candidat que vous vouliez être. Vous êtes aujourd'hui un candidat un peu de la colère, et plus celui de la probité. Est-ce que ça vous va? Non, j'aurais évidemment préféré pouvoir conduire une campagne dans la sérénité, dérouler le projet qui est le mien. J'avais dit que je voulais prédésigner quelques responsables des grands ministères. Pour qu'ils aient la possibilité de préparer les projets de loi, de préparer les équipes. On ne peut pas le faire, ça vous le dites. De manière. Enfin, c'est plus facile quand même quand on a cette visibilité, de façon à être capable d'appuyer sur le bouton des réformes le 1er juillet et d'être plus efficace dans cette période de 100 jours qui est fondamentale. Bon, la campagne a été bouleversée. On arrive à peine à commencer à parler du fond, à parler du projet. On a plus de 6 semaines pour parler de ce projet. Et donc, oui, ce n'est pas la campagne que j'aurais aimé mener. Et c'est la campagne qu'on m'impose et c'est la campagne que je conduis. À propos du sentiment maïtena, parler de la colère, vous avez développé votre projet ce matin, votre programme. 3 mots, libérer, protéger et réconcilier. Vous avez regardé en détail ce que signifiait pour vous la réconciliation. Vous dites que les Français ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Quel est le sens que vous avez ça? On voit bien, on sent que le pays est fracturé, que les tensions sont de plus en plus fortes. Alors il y a les tensions qui sont les plus apparentes. Vous en subissez pour certains d'entre vous une, c'est la montée de l'antisémitisme. Vous avez cette violence qui caractérise de plus en plus la société française avec des agressions, des policiers attaqués au cocktail Molotov. C'est devenu presque un fait divers. On a l'impression que c'est normal. On a vu la semaine dernière des lycéens, 50 lycéens, détruire leur lycée, le saccager, y mettre le feu. Puis ensuite, attaquer la police. Et on a l'impression que chaque semaine, chaque mois qui passe, cette violence est plus forte, elle touche des gens de plus en plus jeunes, elle est de plus en plus banalisée. Vous avez un monde une France politique qui est complètement fracturée, qui est émiettée, avec des extrêmes qui ont gagné énormément de terrain, d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté l'extrême gauche, souvent d'ailleurs avec des programmes qui se rejoignent. Vous avez des agriculteurs qui se sentent en permanence brimés par la grande distribution ou agressés par les environnementalistes. Vous avez des religions qui ont de plus en plus de mal à cohabiter ou à s'insérer dans la vie civile. Il y a énormément de fractures dans cette société. Et je pense que la première tâche du prochain président de la République, c'est évidemment d'abord de faire redémarrer l'économie et de redonner de l'espoir à la jeunesse et de redonner de l'espoir aux Français, mais c'est en même temps de commencer ce travail de réconciliation sans lequel ça sera très très difficile de refaire de notre pays une grande puissance dont on est fier. Et pour moi, c'est très très important que les Français puissent être fiers de leur pays. Pour être fier de son pays, il faut qu'il soit prospère, il faut qu'il soit dynamique, il faut qu'il ait une vraie ambition pour l'avenir, il faut en même temps qu'on s'y sente bien, il faut qu'on y soit heureux, il faut que le bonheur soit le plus partagé possible, et on sent bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans toutes ces réconciliations que vous espérez, il y en a une que vous ne citez pas, réconcilier les Français avec les hommes politiques fichus,
Et avec la presse aussi. Oui. Alors, alors c'est fichu. Non, mais dans le projet d'ailleurs que je propose et dans la méthode pour le mettre en œuvre, j'évoque cette question de comment ouvrir un système politique qui est fermé. Mais ça ne concerne pas que le système politique. En fait, toutes les sociétés qui sont un peu décadentes, qui sont en déclin, ont ce réflexe de fermeture sur elles-mêmes. Et à l'intérieur de ces sociétés en déclin, les groupes sociaux se referment sur eux-mêmes. Donc le groupe politique se referme sur lui-même. Et il est de plus en plus, il vit de plus en plus selon un mode particulier. Il exclut les gens qui viennent de l'extérieur, il les rejette. Les syndicats font la même chose. Beaucoup de groupes humains, les religions, quand elles sont agressées, ont tendance à elles aussi à vouloir se replier sur elles-mêmes. Enfin, voilà, on a ce phénomène et je pense que les politiques sont censés incarner une représentation de la nation, sont particulièrement rejetés pour cette raison-là. Donc il faut moderniser la démocratie. Et moderniser la démocratie, ça veut dire trouver des nouvelles façons de faire fonctionner la démocratie. Honnêtement, je ne les connais pas. On peut penser que la démocratie représentative, qu'on connaît, c'est la fin de l'histoire. Bon, il y a eu le pouvoir absolu. Puis ce pouvoir absolu a fait des concessions, et puis il y a eu la Révolution, il y a eu la République, il y a eu la démocratie, et voilà, l'histoire est terminée. Non, l'histoire n'est pas terminée. Les hommes vont continuer à vouloir plus de liberté individuelle, plus de possibilités pour participer à la vie de la cité, et il faut donc trouver le moyen de mieux les associer, sans que ce soit le désordre et l'incurie. Alors moi j'ai quelques idées, la première de ces idées, c'est de faire rentrer la société civile au gouvernement. Vous avez des noms déjà, je ne peux pas me les donner parce que je sais que vous n'avez pas le faire, mais des gens que vous avez rapprochés. J'ai des idées, mais... Mais ça répond dans l'autre côté. Oui, ça répond, c'est assez rare, enfin c'est pas un sujet. Si on veut un gouvernement avec 15 ministres, on ne manque pas de candidats, bien sûr, pas de problème. Mais comment faire rentrer... Ça peut être bien, François Fillon, qu'on a envie de rentrer dans le gouvernement aujourd'hui, oui, ça, quand on a un patron... Pourtant, il y en a tant qu'il y en a beaucoup. Ce sont des gens qu'on connaît ou vous allez nous étonner? Oui, enfin, non, mais n'essayez pas de me tirer des verres du nez, je ne vais pas tirer rien. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la vie politique de personnages issus de la société civile. Alors, je vais contester complètement cette affirmation en remontant un tout petit peu l'histoire. Alors, vous allez me dire que les temps ont changé et que les personnalités que je vais citer. Était très, très particulière, mais alors on va commencer par André Malraux, Simone Veil n'était pas élu quand elle est entrée au gouvernement. Pierre Messmer n'était pas élu quand il est entré au gouvernement. Raymond Barre, Georges Pompidou n'était pas élu quand il est entré au gouvernement. Vous pourrez prendre quelques exemples à la gauche pour ne pas penser. Alors je ne vais pas aller. Emmanuel Macron complètement. Mais on pourrait parler de Claude Allègre, on peut aimer ou pas aimer Claude Allègre, mais personne ne peut contester que ça a été un ministre avec de l'autorité, avec quelques idées originales. C'était pas un faux ministre de l'Éducation nationale, c'était pas juste un politicien qui était juste là pour occuper le siège, c'était vraiment un ministre qui avait des idées. Il y a eu un remarquable ministre de la Recherche socialiste qui s'appelait Hubert Curien. Voilà, il y a des exemples. Je ne dis pas qu'à chaque fois ça marche. Il y a des exemples. Et ce qui est fondamental, c'est de rouvrir des portes et de faire en sorte que le milieu politique ne s'enferme pas. Alors, on va continuer de parler politique et économie, bien sûr, tout à l'heure, mais on va rester un peu sur le sujet société. Vous êtes clairement opposé à ce que la France soit une société multiculturaliste. Quelle différence, en fait, entre une France diverse et une France multiculturaliste? D'abord, une France diverse, c'est une France qui a une seule langue, le français. C'est une France qui est rassemblée autour d'un héritage culturel, d'une histoire, qui accepte cette histoire dans son ensemble, qui considère que chacun d'entre nous est héritier de l'histoire de France, qui puise une partie de sa compréhension du monde dans notre passé et dans notre histoire. C'est une société dans laquelle les règles
républicaines sont acceptées par tous. C'est une société qui refuse ce qu'on appelle le communautarisme, c'est-à-dire en réalité la volonté de certains groupes sociaux de vivre en marge, de vivre en dehors des règles communes. Et vous parlez, François Fillon, de repères et de valeurs qui ne doivent pas disparaître, mais nos repères et nos valeurs, on les connaît, ils sont extrêmement clairs. C'est liberté, égalité, fraternité. Oui, mais enfin, ça ne suffit pas. Il y a quoi d'autre? Il y a, toute cette histoire dont nous sommes les héritiers, il y a notre culture, il y a notre langue. Moi, je n'accepte pas qu'on dise qu'il n'y a pas de culture française, qu'il y aurait des cultures françaises. Je ne supporte pas la manière dont on regarde notre histoire en choisissant dans cette histoire les périodes qui, j'allais dire, nous arrangent. Chaque groupe politique a tendance à prendre dans l'histoire de France les périodes qui viennent valider son idéologie et ses choix. Donc certains pensent que l'histoire de France a commencé en 1789. Non, c'est pas vrai. L'histoire de France a commencé bien avant 1789. Et elle n'est pas l'histoire de France qui a été écrite tout au long. Et surtout, quelles que soient ces pages, qu'elles soient belles ou qu'elles soient sombres, parce qu'il y en a évidemment des sombres, nous en sommes les héritiers. Si l'histoire s'était déroulée différemment, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas vivre en bonne intelligence dans un pays, constituer une nation, si on n'aime pas son pays. Et on ne peut pas aimer son pays si on déteste son histoire. Voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que cette question de l'acceptation de notre histoire, elle est fondamentale et elle nous rassemble. Alors après, chacun vient d'horizons différents, a sa propre histoire, amène et enrichit la culture française, mais à partir de cette espèce de tronc commun qui est constitué de notre langue, de notre culture, de notre histoire, de nos règles républicaines. Et voilà, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Grande-Bretagne, on n'est pas l'Allemagne, on est un pays différent qui a fait des choix différents et qui a fait en particulier ce choix de l'unité nationale qui est pratiquement le fil conducteur de toute notre histoire. Alors nous sommes des héritiers de notre histoire, mais nous sommes aussi des contemporains. Et comme Maïtena et Bach, les Basques sont quand même un petit peu... ont une petite identité à part, ils ont une langue différente, ils se considèrent comme assez supérieurs au reste du monde. Du coup, c'est pour ça qu'elle nous fait le coup du pays. Je vais donc continuer. Je n'accepterai pas qu'on ne parle plus le français au Pays Basque. Il n'y en avait pas question. Non, il n'y en avait pas question. Nous sommes les héritiers d'une histoire, mais nous sommes aussi les contemporains de la vie de tous les jours, et on peut se projeter dans l'avenir. Et Terra Nova, un think tank de gauche, propose que la France adopte un jour férié pour les Français de confession juive et pour les Français de confession musulmane. Est-ce que vous êtes pour? Non, je ne suis pas. Pourquoi? Je suis contre d'abord parce qu'il y a trop de jours fériés en France. Oui, vous voulez en supprimer. Non, supprimer un jour férié chrétien? Non, je ne veux pas supprimer. Je dis qu'il y en a trop. Par ailleurs, les jours fériés en France sont effectivement... correspondent à un calendrier qui est le calendrier chrétien, et ça fait très longtemps que beaucoup de Français ont oublié l'origine de ces jours fériés et que voilà, on a fait des moments de rassemblement. Je crois que ce serait. Je comprends hein, qu'on puisse souhaiter qu'il y ait des jours fériés pour toutes les religions. Je pense que c'est pas compatible avec d'abord cette unité que j'évoquais tout à l'heure, et puis surtout, on est dans un pays qui est parmi les pays au monde qui travaillent le moins. Et qui dépensent le plus, donc franchement, des jours fériés supplémentaires, je vous en supplie, non. Et s'il fallait supprimer des jours fériés qui sont ancrés dans notre histoire depuis des siècles, vous voyez le traumatisme que ça va causer à une grande partie de la population française. Donc je pense que c'est vraiment un mauvais débat. On va continuer sur la laïcité. Je voudrais faire une conversation qu'on a eue ensemble avec des quelques journalistes. C'était fin septembre dernier. Vous étiez encore un candidat troisième ou quatrième dans les sondages. Et vous nous expliquiez ce qui était le fondement, ce qui vous avait amené à écrire ce livre « Vaincre le totalitarisme islamique », qui est un livre que, pour le moment, en tout cas, j'espère, beaucoup d'entre vous ont lu. Et vous disiez, je vous cite, « Interdire tout signe religieux dans l'espace public » a fait qu'on s'est attaqué à la liberté religieuse et qu'on a créé les conditions de l'affrontement. Oui, je pense qu'on a, au nom de... En fait, on va dire les choses simplement. Hein,
religions en France ont une histoire qui n'est pas, avec des durées qui ne sont pas les mêmes. Il y a eu des difficultés d'intégration pour la religion catholique. La religion catholique a été en conflit avec la République, avec les autorités civiles pendant très longtemps. Et la religion catholique a fini par accepter un compromis qui s'appelle la laïcité à la française, et qui, je crois, plutôt donne satisfaction et fonctionne. La religion juive, je m'engage sur ce terrain avec une extrême prudence, a connu un mode d'organisation particulier avec le consistoire, l'intervention de Napoléon. Il y a eu des choses qui ont été faites pour essayer de... Alors, si je reprends simplement l'histoire de la religion catholique, comme ça je prends moins de risques, je raconte toujours cette histoire, parce que je trouve qu'elle est très jolie. Quand je n'habite pas à Paris, j'habite à Solèmes. Solèmes est une grande abbaye bénédictine. Le père abbé de Solèmes actuel est assez taquin, et à chaque fois que je vais le voir, il me dit « Oh là là, moi, j'aime pas trop recevoir des responsables de l'État, parce que la dernière fois qu'il y en a un qui est venu nous voir, c'était pour nous dire « Vous avez 48 heures pour quitter le territoire de la République, et on n'y est revenu que 30 ans plus tard. » C'est dire si ça a été difficile. Aujourd'hui, il y a une religion qui pose un problème d'intégration, qui est l'islam, à cause de la montée de l'intégrisme. Donc c'est une erreur de vouloir durcir les conditions de la laïcité uniquement parce qu'on n'arrive pas ou parce qu'on règle mal le dialogue avec l'islam. Vouloir interdire tous les signes religieux dans l'espace public, je sais que certains de mes amis y sont favorables, je trouve que c'est totalement contraire à la conception de la liberté religieuse qui est la mienne. Ce qu'on demande, c'est que l'islam s'intègre dans la République. Pour ça, il faut que l'islam réussisse à extirper le fondamentalisme, l'intégrisme qui gagne du terrain. C'est un combat que doivent mener nos concitoyens de religion musulmane. C'est un combat qu'on doit les aider à conduire. C'est un combat qui doit nous conduire à prendre des décisions sur le financement du culte musulman, sur son organisation. Mais ce n'est pas un combat qui doit conduire à supprimer la liberté religieuse dans notre pays, ou en tout cas à la réduire de façon très importante pour régler uniquement la question qui est posée aujourd'hui avec le culte musulman. Une précision sur le financement, parce que c'est dans la loi de 1905, vous voulez la faire bouger ? Non, justement, non. Je considère que les financements étrangers du culte musulman aujourd'hui posent problème. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord beaucoup plus de transparence. Et je pense qu'il faut que nos concitoyens musulmans ne soient plus autant dépendants de financements étrangers. Ils financent même leur mosquée. Dans certains viennent de pays qui sont des pays dont on sait qu'ils sont les sources de l'intégrisme. Alors on me dit, mais ça serait injuste parce que les catholiques ont un financement public pour les églises. En réalité, il faut quand même remettre les choses à leur place. Les communes entretiennent les églises parce que c'est le patrimoine culturel de notre pays. On ne voit pas très bien comment on se débarrasserait des églises et comment on les laisserait se tomber en ruine. Mais pour le reste, le culte catholique n'a pas de financement public. Les prêtres ne sont pas payés par l'État, ils sont payés par les deniers du culte. La religion juive ne bénéficie pas de financement public. Donc je ne vois pas pourquoi les autres religions, enfin en tout cas la religion musulmane, ne pourraient pas fonctionner avec les dons des fidèles, ce qui permettrait d'enlever une des sources, je généralise un peu trop vite, hein, mais une des sources de cet intégrisme qui est le financement de certains pays étrangers. On parlera plus tard de l'international, mais vous pensez qu'aujourd'hui la France a des relations, comment dire, trop accommodantes avec un certain nombre de monarchies d'idoles? En tout cas, on ne dit pas la vérité. La France, le gouvernement français depuis longtemps, les gouvernements européens, les gouvernements occidentaux ont fait des choix stratégiques, des choix d'alliance qui sont souvent guidés par des considérations économiques. Je ne les écarte pas, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de considérations économiques, mais je trouve parfaitement anormal que la France se soit enfermée dans un seul camp. Grosso modo, qu'elle soit du côté de l'Arabie Saoudite dans le conflit qui oppose les sunnites et les chiites. C'est une erreur. La France n'aurait pas dû être dans un camp. Elle devrait être dans aucun camp, d'ailleurs. Elle
après, parler à tout le monde. Et on voit bien que la relation particulière que la France entretient avec l'Arabie Saoudite est quand même plus inspirée par des considérations économiques que par des considérations politiques, éthiques, morales, qui devraient entrer en ligne de compte. Et donc clairement, il faut durcir la position vis-à-vis, par exemple, de l'Arabie Saoudite. Oui, il faut leur dire les choses, il faut dire à l'Arabie Saoudite qu'on souhaite évidemment dialoguer avec eux, qu'on souhaite avoir les meilleures relations du monde avec eux, mais qu'il n'est pas possible de fermer les yeux sur le fait que ce pays abrite les principaux penseurs de ce courant totalitaire que je décris dans mon livre, et qui est en train de prendre une importance dans le monde considérable et qui devient une menace pour la paix du monde. Ce n'est pas seulement un problème de terrorisme, c'est même pas seulement un problème pour le Moyen-Orient, c'est aujourd'hui un phénomène qui a largement déstabilisé le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, et qui descend à travers le Sahel jusque en Afrique occidentale. François Fillon, pardon, un petit retour en arrière, il me semble que le gouvernement dont vous étiez le chef avait des relations privilégiées avec le Qatar. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il ne s'agit pas de ne pas avoir de relation avec le Qatar, il s'agit de poser les problèmes et de dire la vérité. Mais vous auriez pu faire. Oui, bien sûr, mais on n'a pas fait des choses bien, hein, je veux dire. Mais par exemple, moi je ne peux pas prôner d'un côté un dialogue franc avec la Russie et dire de l'autre côté qu'on ne va pas parler avec l'Arabie Saoudite, ce serait totalement incohérent. Simplement, il faut parler avec franchise, mettre les problèmes sur la table, conditionner nos relations internationales à la solution d'un certain nombre de problèmes dans le monde, et en particulier à cette lutte contre ce totalitarisme islamique qui est en train prend en otage l'islam et qui est en train de menacer la paix du monde et qui, à mon sens, est le problème majeur auquel nous allons devoir faire face, nos sociétés vont devoir faire face pour les 20 ans qui viennent, ce qui veut dire qu'on doit avoir une politique étrangère différente, on doit avoir une politique de défense différente, on doit avoir une politique vis-à-vis de l'islam en France différente, on doit avoir une politique vis-à-vis de l'immigration et du contrôle de nos frontières différentes à cause de ce danger, et une politique européenne différente à cause de ce danger qui devient un danger majeur. Alors je reviens dans l'Hexagone. Et j'avoue que le début de votre intervention sur la laïcité m'a étonnée, puisque vous dites que les lois de la République prévalent, et on va aborder une question qui inquiète beaucoup ceux qui nous écoutent ce soir. Les lois de la République prévalent, y compris sur les consignes religieuses. Est-ce que vous avez le lavandage rituel dans le collimateur ? Ah là là, il faut que je vais m'expliquer sur ce sujet, parce que c'est le sparadrap qui me colle au doigt de l'univers. Eh bien, nous écoutons. Il y a en France une loi qui prévoit que les animaux, avant d'être tués, peuvent être étourdis. C'est la loi de la République. Il y a des dérogations qui ont été apportées pour permettre les abattages rituels pour la religion juive et pour la religion musulmane. Je ne veux surtout pas remettre en cause ces dérogations. Il ne s'agit en aucun cas de changer quoi que ce soit. Dérogations ne devaient pas devenir la règle. Voilà. Et que les dérogations doivent pourquoi être. Pourquoi le préciser si c'est pas bien ? Je comprends pas bien. Parce que parfois, on a tendance, pour des raisons de facilité de gestion des outils d'abattage, pour peut-être même des questions économiques, à tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. L'abattage rituel est destiné aux personnes qui souhaitent des animaux qui incapacitent rituellement. Et pour le reste, ce doit être la règle commune qui s'applique. Dans ce livre que j'ai cité sur le terrorisme islamique, vous définissez ce que c'est que ce terrorisme islamique, trois éléments constitutifs: le culte de la violence meurtrière, la haine de la modernité et l'antisémitisme. Les deux premiers, on les voit se développer. Est-ce que vous voyez se développer aussi à la même vitesse, avec le même danger, le troisième? Bien sûr, je ne peux pas, pas vous raconter une anecdote, mais elle est tellement violente, une anecdote. Il y a quelques mois, je m'étais rendu en Iran et j'avais l'occasion de passer un long moment avec l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien, qui est décédé il y a quelques semaines.
Et à l'issue de cet entretien, vers la fin de l'entretien, alors que nous évoquions les sujets du Proche-Orient, le Liban et Israël, l'ayatollah Rafsanjani m'a dit « Il faut que les Juifs quittent Israël ». Alors, honnêtement, j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il faut qu'ils partent, monsieur. Ça n'a aucun sens de dire un truc pareil. D'abord, ils ne partiront pas. Et ensuite, vraiment, ils sont chez eux. Et donnez-moi une raison, une seule raison, pour laquelle ils pourraient rester. Oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Et il me regarde, il dit, nous, il y a 5000 ans, on était en Inde, on ne va pas y retourner. Donc j'ai eu un moment de... Ouais, j'étais un peu comme un boxeur sonnaire. Et j'ai trouvé cette réponse, qui a mis fin au débat. Je lui ai dit, voilà, vous allez continuer comme ça. Vous allez mettre les Juifs dehors. Vous allez mettre les chrétiens d'Orient dehors. Et vous ne croyez pas qu'à un moment, les Européens se poseront la question de savoir si les musulmans ont leur place en Europe? Vous êtes en train de créer un monde qui va être un monde d'artifice. La conversation s'est terminée. Et cet antisémitisme-là, sentez en Iran, bien sûr, est-ce que vous le voyez aussi progresser en France? À plusieurs reprises, vous citez, vous prenez des citations, vous dites que cet antisémitisme qui monte est totalement décomplexé, cyniquement bien dans sa peau, épanoui dans une ambiance bienveillante. Vous citez là des enquêtes qui ont été menées par exemple à Marseille. Est-ce qu'il y a une responsabilité aujourd'hui des politiques dans cette montée de l'antisémitisme que vous décrivez et comment faire pour... Il y a forcément une responsabilité des politiques parce que quand une société dérape de cette manière, les responsables politiques, même si c'est difficile, doivent trouver les réponses. Je dis que c'est difficile, c'est un sujet dont on parle souvent avec les dirigeants du CRIF, avec les dirigeants de la communauté juive. Le gouvernement français fait tous ses efforts, mais c'est sans doute c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que, au fond, on ne s'attaque pas au mal, à la racine. Protéger les écoles, protéger les lieux de culte, punir sévèrement les actes antisémites, c'est bien, et ça n'éradique pas l'antisémitisme. Si on veut éradiquer l'antisémitisme, c'est l'éducation. C'est là. J'ai une question à ce sujet. Les quartiers nord de Marseille, c'est à peu près 280 000 habitants. Ça veut dire combien il y a de bibliothèques? Sûrement pas assez. Il y en a deux. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a les écoles qui ne fonctionnent plus. Mais ça fabrique. C'est de la banque de l'État, ça, François. Oui, non, les bibliothèques, c'est les collectifs. Oui, c'est de... Mais je ne veux pas porter la responsabilité sur le maire ça de Marseille. C'est pas de l'État. Il va me téléphoner demain matin. Mais ça fabrique des communautarismes, du citoyen. Ce sont des quartiers abandonnés qui doivent être repris, qui doivent être pacifiés, où l'ordre doit régner, où la sécurité doit être imposée. Et où l'égalité des chances. L'école, d'abord, avant de parler des bibliothèques, l'école, le premier échec de la République, c'est l'école. L'école n'intègre plus. L'école fabrique de l'exclusion. L'école fabrique chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes et d'enfants qui sortent sans aucune qualification. C'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, ça va à peine lire et écrire. Et c'est eux qui sont en train de gonfler les cohortes de jeunes qui, au fond, n'ont pas d'avenir, considèrent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et comment on peut avoir de l'avenir dans une société aussi complexe que la nôtre, aussi moderne que la nôtre, quand on ne sait pas écrire, quand on ne sait pas lire, quand on s'exprime de façon aussi imparfaite, avec aussi peu de vocabulaire. Donc l'échec de l'école, c'est la source première de nos difficultés. Pour lutter contre cet échec, jusqu'à maintenant, on a eu une seule politique qui a consisté à essayer de mettre plus d'enseignants, à moderniser un peu l'enseignement et on est resté au fond avec le même modèle pour tout le monde. Ma conviction, c'est que cette situation d'échec doit nous conduire à bâtir une offre scolaire qui soit adaptée à la réalité des quartiers, à la réalité des populations, avec à la fin le même niveau d'exigence, même s'il faut plus de temps pour l'atteindre, mais pas avec les mêmes méthodes. Voilà, c'est pour ça que je souhaite que, d'abord, l'enseignement primaire... C'est dans les établissements d'excellence. Qu'on accepte d'innover, qu'on accepte d'expérimenter, qu'on accepte de donner un peu de liberté pédagogique aux enseignants, qu'on accepte qu'il y ait des écoles qui soient différentes des autres. Voilà. Il y a une expérience. Alors je sais que quand on dit ça, on est immédiatement
catalogué, mais il y a une expérience qui s'appelle Espérance banlieue. Je suis allé il n'y a pas très longtemps visiter une école d'Espérance banlieue, je crois que c'était en Seine-Saint-Denis, je suis plus sûr. Donc on est accueilli par des enfants en uniforme qui montent des couleurs, qui chantent la Marseillaise. Il y a une ambiance très particulière, il y a une ambiance de travail, il y a une ambiance de concentration. Comment ? C'est le service militaire. Non, ça ne veut pas service militaire, c'est une école. À la fin de ma visite, j'ai rencontré trois mères de famille musulmanes qui avaient mis leur enfant dans cette école. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous avez mis votre enfant dans cette école ? Et elles m'ont répondu, parce qu'à l'école publique, il y a de la discrimination. Voilà, discrimination pas du fait des enseignants, discrimination du fait des élèves dans la cour, etc. J'ai pris ça comme un coup dans l'estomac. Si l'école publique aujourd'hui est une école qui discrimine et qu'il faut aller dans une école qui est d'obédience catholique pour ne pas retrouver cette discrimination, c'est quand même qu'un truc qui ne marche pas. Donc voilà, moi je veux qu'on accepte de reconnaître que le même système qui était construit pour fabriquer des élites ne fonctionne pas aujourd'hui compte tenu de la diversité, compte tenu de la difficulté d'être dans certains quartiers. Donc il faut un enseignement adapté. Enseignement adapté, il doit être pour une part publique, pour une part privée. Voilà, il faut qu'on fasse, qu'on ouvre les portes et qu'on accepte. Deux questions de la différence sur ces sujets. Un, vous avez expliqué qu'un certain nombre de pédagogistes fous avaient mis le feu à notre école. C'est qui ces gens-là ? Bah, c'est tous le Conseil national des programmes, tous ces gens qui pondent des pédagogies fumeuses que les enseignants eux-mêmes ont du mal à comprendre. Je ne parle pas des parents d'élèves, naturellement, qui sont incapables. Et donc tout cela, vous en faites quoi ? Vous les remplacez ? Vous les moi, je veux supprimer le Conseil national des programmes. Et donner beaucoup de liberté pédagogique aux établissements. Il faut les contrôler, il peut y avoir des évaluations très rigoureuses, mais un enseignant qui a de l'expérience, il sait souvent comment il faut faire. Et au fond, c'est insupportable pour lui que ce soit toujours un truc qui arrive d'en haut, très compliqué, qui change d'ailleurs tous les 3 ans, qui l'amène à remettre en cause ses méthodes d'enseignement, sans qu'on évalue jamais l'efficacité de ces méthodes. Donc je voudrais plus de liberté pédagogique, je voudrais des établissements plus autonomes, avec des vrais patrons. Il devrait y avoir un directeur dans un établissement qui a une certaine autorité sur ses enseignants, qui peut faire régner une certaine discipline. Parce que, vous savez, c'est quand on sent qu'il n'y a pas de chaîne hiérarchique, il n'y a pas d'autorité au sein même de l'équipe enseignante, comment voulez-vous que les élèves et le sens de l'autorité de la discipline. Ils voient que leurs enseignants ne l'ont pas. Sur le rapport entre l'enseignement public et l'enseignement privé, vous avez à plusieurs reprises évoqué la possibilité de remettre en cause ce qui est au fond un usage. Il n'y a pas de règle écrite. Je crois que c'est un accord qui a été passé entre François Mitterrand et l'Église catholique au moment de la guerre scolaire en 1984. 20% en gros de l'école est confiée au privé. Est-ce que vous voulez remettre en cause cette règle non écrite et essayer de monter la part de l'enseignement privé, confessionnel éventuellement. Je voudrais que cette règle ne soit plus aussi contraignante et qu'on accepte, lorsqu'il y a des demandes fortes pour aller vers l'enseignement privé, de satisfaire ces demandes. Et puis surtout, je voudrais. C'est ça le plus important. De toute façon, les limites, elles existent parce que c'est le budget, c'est les affectations d'enseignants. L'objectif, c'est pas de réduire la part d'enseignement public, mais c'est d'accepter qu'il y ait de la différence. C'est d'accepter qu'il y ait des modèles éducatifs différents, et surtout, c'est d'accepter qu'il y ait des innovations. C'est-à-dire que c'est moins l'augmentation. C'est ce que je réclame, parce que sinon, on va caricaturer les choses tout de suite en disant voilà, c'est normal, il veut que l'enseignement catholique prenne plus de place dans le pays. Non, c'est pas ça du tout. Mais je veux que s'il y a des innovations pédagogiques qui fonctionnent, on puisse les soutenir, que l'État puisse les accompagner et qu'il puisse y avoir d'autres modèles éducatifs dans nos quartiers et dans nos villes. Donc c'est la pédagogie alternative des quartiers. Voilà, et pour ça, il faut desserrer un peu la contrainte des 80-20, qui est une contrainte qui date de Rocard. 84, non, Rocard, c'est 1984. Voilà, mais qui est écrite nulle part. Hein.
Alors, un mot sur la famille avant qu'on passe à la politique. Vous vous êtes exprimé sur le mariage pour tous, vous avez expliqué que vous ne reviendriez pas dessus. Vous proposez l'adoption simple pour les homosexuels qui permet de retracer la filiation, qui est une adoption révocable. Dans votre discours de la famille du 1er juillet 2016, vous disiez « N'en déplaise à certains, le cycle de la vie est poussé par l'union des femmes et des hommes et on ne m'ôtera pas l'idée que rien n'est mieux pour un enfant que d'avoir un papa et une maman. » C'est l'ancienne présentatrice des maternelles qui vous parle, François Fillon. Un enfant, c'est toujours le fruit d'un père et d'une mère ou d'un homme et d'une femme? C'est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. C'est une sacrée nuance. Mais je veux juste revenir sur un point quand vous dites l'adoption simple. L'adoption simple, et, oui, c'est, parfois je ne suis pas toujours précis. Ah oui, mais c'est embêtant. Ça me vaut des coups de téléphone de Francis Khalifa de temps en temps, non, un peu crispé parce que j'ai utilisé un mot qu'il ne fallait pas. Mais, ça change profondément le sens. Bien sûr, mais je suis d'accord. Mais je veux tout de suite rectifier une chose que vous avez dit. Vous dites que l'adoption simple est révocable. Comme si, bon, d'abord, elle est révocable dans des conditions extrêmement difficiles sur des sites. C'est pas possible sur l'adoption pleine. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. L'objectif, ce n'est pas d'obtenir une adoption révocable, qui soit révocable. S'il faut consolider l'adoption simple pour qu'elle soit pas révocable, c'est pas mon, ça me gêne pas du tout. Pourquoi est-ce que je dis que je veux que les couples homosexuels qui adoptent sous le régime de l'adoption simple, et d'ailleurs, à mon sens, cette évolution, elle vaudra à terme pour tous les couples, c'est que je crois profondément que tout enfant a le droit de connaître sa filiation. Le principe, notamment l'accouchement sous X, qui n'existe quasiment que dans notre pays. Et pour moi, c'est en revenant à des principes simples comme cela qu'on peut apporter une réponse satisfaisante à cette tension très forte qui existe autour de la question du mariage pour tous. J'ai dit que moi j'étais hostile au mariage pour tous. Si j'avais été président de la République, je n'aurais pas engagé cette réforme. Elle a été engagée. Il n'est pas possible de revenir en arrière par rapport au mariage pour tous pour des tas de raisons. Il ne s'agit pas de rajouter une fracture supplémentaire et une tension supplémentaire dans une société qui en connaît suffisamment comme ça. Mais la critique principale que nous avons fait au mariage pour tous, c'est la critique de la filiation, sur la question de la filiation, et donc je dis qu'il faut inscrire dans la loi le fait qu'un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, pas trompé, et donc un enfant a toujours le droit de connaître sa filiation. Et à partir de ce moment-là, ça change les règles de l'adoption. Alors, juste, je développais ça, ce sera la dernière question sur la famille, on passe aux politiques, vous venez de dire que ce que vous déclariez avait des conséquences, vous avez dit que la PMA, la procréation médicalement assistée, doit être réservée aux couples hétérosexuels stériles. Si les limites de la biologie prévalent pour les homos, pourquoi pas pour les hétéros? Pas de PMA, puisque si les couples sont stériles, si vous êtes logique et que vous faites prévaloir les limites de la biologie, vous dites qu'il n'y a pas d'aide médicale à la procréation toujours pour les hétéros. La même raison, parce que je considère qu'un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, une correction à la nature, voilà. Je suis en train de poser la question à la présidence de la République. Si les règles de la biologie prévalent, est-ce que la PMA est toujours, à vos yeux, possible pour les couples hétéros qui sont peu fertiles? Oui, bien sûr, comme une assistance, comme la réparation d'une difficulté, d'un problème. Mais ça ne doit pas conduire à concevoir des enfants en dehors d'un homme et d'une femme. Voilà, c'est ça ma... Pardon, mais je suis un peu basique sur ce sujet. Aujourd'hui, vous n'êtes pas partie des deux finalistes dans les sondages qui vous mettent. Ça, les sondages. Je sais. Qui vous mettent quelques points derrière les deux qui font la course en tête pour l'instant. Quand est-ce que les choses se cristalliseront à votre avis? Ou est-ce qu'elles cristalliseront, compte tenu du désordre de cette campagne, est-ce qu'elles cristalliseront dans les derniers jours, dans la dernière semaine quasiment? Donc c'est les débats, par exemple, les débats télévisés vont compter beaucoup? C'est pas seulement les débats télévisés vont compter, mais c'est surtout le moment où les Français ont le sentiment qu'ils ont une responsabilité en mettant un bulletin dans l'urne. Vous n'avez pas de responsabilité quand vous répondez à un sondeur.
c'est pas du tout la même chose de dire « Ah, je vais voter pour Marine Le Pen » ou « Je vais voter pour je ne sais qui ». Quand vous mettez le bulletin dans l'urne, c'est quand même un acte différent. Et moi, ma conviction, c'est que c'est à ce moment-là que les choses se cristallisent. Bien sûr, les débats, la campagne auront une influence, mais les sondages ne reflètent pas, ne peuvent pas refléter, dans une société aussi liquide que celle que nous connaissons, le moment de la décision. C'est pour ça que j'ai un vrai doute sur ces sondages. Par ailleurs, j'ai un vrai doute sur la façon dont ils sont conçus, sur, les méthodes de redressement, sur les échantillons, et on voit de plus en plus se mettre en place des dispositifs qui font appel à la, comment on appelle ça, au traitement des big data, et qui donnent des résultats assez différents des sondages, et il se trouve que ces résultats se sont vérifiés à plusieurs reprises. Ouais. Voilà. C'est-à-dire le nombre d'occurrences sur Google. C'est pas suffisant, mais c'est des indications qui sont des indications différentes. Dans les sondages, enfin, on en parlait encore, ils vous donnent systématiquement, comment dire, moins bon compétiteur de Marine Le Pen au deuxième tour que lui aujourd'hui. C'est vous inquiète ? Non, parce que je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que si je n'étais pas candidat, si pour des raisons liées aux troubles actuels, j'avais dû renoncer à la veille de l'élection présidentielle à ma candidature, c'est-à-dire que les Français se retrouvaient devant le choix impossible entre Macron et Madame Le Pen, sans candidat représentant les valeurs de la droite et du centre, je pense que Madame Le Pen ferait un score beaucoup plus élevé. Elle ferait un score beaucoup plus élevé pour une raison simple, c'est qu'il y a une partie des électeurs de droite qui, dans ce contexte-là, manifesteront leur colère, et certains d'entre eux manifesteront leur colère peut-être en allant jusqu'à un geste que je n'approuve en aucun cas, mais qui consiste à voter pour le Front National. Voilà, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui me tombe dessus tous les jours, c'est pas anormal que dans un sondage, je fasse moins que M. Macron face à Mme Le Pen. M. Macron, il est aujourd'hui comme une sorte de candidat qui flotte sur les nuages. On a connu ça d'ailleurs pendant la primaire. On avait aussi pendant la primaire un candidat qui, tout au long de la primaire, se baladait très très haut dans les sondages. Puis au moment de l'élection, ça s'est passé de façon différente. Et c'est un peu la même chose. Il vous soutient d'ailleurs, c'est un injure. Oui, non, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous vous positionnez au centre, en essayant d'avoir le projet le plus rassembleur possible, et donc en même temps le projet le moins radical, le moins puissant, vous rassemblez beaucoup de suffrages dans les sondages. Il y a beaucoup de gens qui, dans la conversation du dimanche à table, vont trouver que cette candidature est sympathique parce qu'elle est rassembleuse. Et au moment de choisir, on retrouve des clivages. On retrouve un clivage entre la droite et la gauche, on retrouve un clivage entre ceux qui veulent que ça change vraiment, et c'est la raison pour laquelle je pense que M. Macron est très surestimé. Lequel de vos deux adversaires, Macron ou Le Pen, est le plus sectaire ? Par Mme Le Pen, sans conteste. Et lequel est votre adversaire privilégié ? Après ça, je choisis pas mes adversaires. Et celui qui vous parle à vous, un homme ou une femme ? Non, j'ai peur. Votre ennemi et votre adversaire sont la même personne ? Non, c'est pas la même chose. Pour moi, l'extrême droite, c'est insupportable. Et alors, le programme de Mme Le Pen est tellement en plus délirant. C'est quand même une candidate qui veut augmenter les dépenses publiques, augmenter les emplois publics, qui veut sortir de l'Europe et sortir du franc, de l'euro, qui nous explique que tout ça va se passer formidablement bien, sans inflation, sans conséquences sur la dette française. C'est un programme qui ruine le pays, et qui ruine le pays en très peu de temps, parce qu'on est un pays très endetté, 2200 milliards de dettes. On est quasiment à 100% de la richesse nationale en termes d'endettement. Quand j'ai été élu député pour la première fois, on était à 17%. On est à 100% aujourd'hui, 97 ou 98. On est dans la zone rouge, on est dans la zone de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, pour ne pas parler de la Grèce. Et Mme Le Pen nous explique qu'en revenant au franc, en quittant la sécurité que nous apporte avec ses inconvénients la monnaie européenne, nos créanciers vont continuer à nous prêter des milliards sans aucune discussion. Chacun sait que c'est pas vrai et que ces créanciers vont exiger des taux d'intérêt très élevés pour prêter à un pays qui sera un pays dangereux, qui sera un pays fragile. Et c'est l'explosion
de notre économie et de notre pacte social en très peu de temps. Donc Madame Le Pen, au-delà même des idées sectaires qu'elle véhicule, elle est terriblement dangereuse à travers le programme économique qu'elle tient. Alors imaginons que vous êtes élu en mai prochain. Vous faites un seul mandat. C'est ce que j'ai toujours dit. Je pense pas qu'il faille inscrire. Vous allez trouver que c'est ma réponse est ambiguë. Mais je suis contre cette idée d'inscrire dans la Constitution ou dans les textes le fait que le président de la République fait un seul mandat. Pourquoi ? Ce n'était pas ma question. D'accord. Mais moi, je considère. La Constitution, c'est deux mandats maximum aujourd'hui. Oui. Je considère que l'objectif qui est le mien, c'est de redresser le pays. Et pour redresser le pays, il faut mettre le paquet. Ça serait formidable, disant, mais il faut déjà, dans un pays qui a connu beaucoup d'alternances qui n'ont pas permis le redressement national, il faut frapper très fort dans les premiers mois. Il faut être capable d'impulser des changements qui vont modifier la donne, qui vont modifier le regard que les Français portent sur leurs institutions, leur système politique, qui leur redonnent confiance. C'est très difficile. Ça doit rendre assez impopulaire, pour mon point de vue. Donc il faut assumer. Et donc il faut assumer ça. Et si vous rentrez dans ce combat avec l'idée qu'il faut vous préserver, qu'il faut préserver vos forces pour le deuxième mandat, vous êtes sûr de rater. Donc je. La dernière fois, on a pour vous voir bien répondre à un souffle, mais un seul mandat, parce que je ferai des trucs tellement durs. Pas tellement durs. C'est votre phrase. Ce sont des choses qui sont difficiles par rapport à ce qu'on a fait depuis 25-30 ans. C'est-à-dire que, au lieu de contourner les obstacles et d'effleurer les réformes, moi je propose d'y aller vraiment. D'y aller de front. Alors vous agissez vite, très vite. Vous dites dans les premières semaines que vous faites un certain nombre de réformes. Accessoirement, vous n'êtes plus prononcé, ni ce matin à Europe 1, ni pendant la conférence de presse, le mot ordonnance. Si. Ça m'a échappé. Non, moi je propose trois grands paquets de réformes entre juillet et octobre. Un paquet sur la réforme du droit du travail, sur la réforme du marché du travail, dans lequel je mets les 35 heures, la suppression des 35 heures, le nouveau code du travail qui est réduit à ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales, 300 pages, les nouveaux contrats de travail et tous les sujets qui touchent au marché du travail. Le deuxième, alors, on verra si c'est par ordonnance ou si il y a une partie par ordonnance et une partie avec des textes législatifs. Moi, je ne veux pas m'enfermer dans un système. J'utiliserai les ordonnances à chaque fois que j'en aurai besoin. En fait, l'ordonnance, elle est utile quand vous avez des choses très complexes que vous voulez passer dans un temps assez court. Parce que vous demandez au Parlement de se prononcer une fois et d'habiliter le gouvernement à rédiger les textes. Et ensuite, vous redemandez au bout de 6 mois au Parlement de valider vos ordonnances. Si je prends l'exemple du droit du travail, je pense qu'il faut aller vite. Et je suis pas sûr que ça soit intelligent de revenir 6 mois après sur le sujet. Il faut peut-être faire passer une loi plus rapidement qu'une ordonnance. Donc le deuxième paquet, c'est le paquet fiscal, c'est-à-dire toutes les mesures sur la réforme de la fiscalité du capital, les mesures permettant d'augmenter le pouvoir d'achat, en particulier des classes moyennes, c'est la baisse des charges que je peux mettre en œuvre, non seulement pour les entreprises, mais pour les salariés, les mesures, l'augmentation de 2 points de la TVA pour financer une partie de la protection sociale, c'est le deuxième paquet. Puis le troisième paquet, ce sont des mesures qui permettent d'enclencher la baisse de la dépense publique, donc c'est la réforme de l'État, ce sont des mesures à destination des collectivités locales pour mettre en œuvre le programme qui permet en 5 ans de revenir à l'équilibre des comptes publics, c'est-à-dire de baisser de 100 milliards la dépense publique, ce qui a l'air énorme quand on le dit comme ça, et qui est très peu quand on y réfléchit, puisque sur 1 700 milliards de dépenses publiques, ça fait finalement qu'un tout petit pourcentage. Ça fait 20 milliards. Une question, une précision. Vous n'avez pas, ni ce matin, ni aujourd'hui, ni à l'instant, prononcé le mot ISF, vous supprimez bien l'ISF. Oui. C'est dans votre programme écrit, mais comme vous ne dites plus, je le dis, j'aime peut-être en avoir parlé. Je le dis une fois sur deux. Non. L'ISF, pour moi, ce n'est pas négociable. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on reconstitue une capacité d'investissement française. Je veux qu'on ait de nouveau des investisseurs français. Je veux qu'on reconstitue un capitalisme français. Donc vous supprimez. Donc je supprime l'ISF immédiatement. Je mets en place. C'est quoi ? Parce que là, je crois qu'ils font leur compte pour 2017. Non.
La suppression sera votée en juillet 2017. Et elle prendra effet pour l'ISF 2018. Pas de chance. Ah non, mais voilà, pour avancer l'élection présidentielle. Mais je ne me contente pas de ça, puisque je mets en place une flat tax à 30% sur les revenus du capital, sur tous les revenus du capital, à l'exception de l'assurance vie et du livret A. Flat tax à 30% CSG comprise, ce qui nous placera grosso modo dans la moyenne européenne. Et ce qui nous remet en ligne avec les autres pays européens, notamment avec nos voisins allemands, et qui refait du territoire français un territoire attractif en matière d'investissement. Encore un mot sur la gouvernance et la manière dont vous voulez réformer le pays. Vous aviez parlé à plusieurs reprises de deux référendums. Vous n'avez pas évoqué le sujet aujourd'hui non plus. Est-ce qu'ils ont disparu de votre projet? Est-ce que vous considérez que la... En fait, je voudrais faire un référendum avec deux questions. La première question de ce référendum, ce serait est-ce que vous êtes d'accord pour inscrire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux? Parce que j'entends tous mes concurrents expliquer, enfin certains de mes concurrents expliquer qu'ils veulent la convergence des régimes sociaux, qu'ils vont supprimer les régimes spéciaux et tout ça. C'est une très bonne idée, mais enfin c'est pas si simple que ça. Et d'autres se sont cassés les dents dans le passé. Et il me semble qu'en inscrivant dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux, on crée une contrainte extrêmement puissante sur le législateur pour progressivement enclencher cette convergence. J'ajoute que depuis la réforme de la Constitution de 2008, les citoyens peuvent saisir le Conseil constitutionnel eux-mêmes. Donc je ne doute pas que certains saisiront le Conseil constitutionnel sur cette question. Et la dans le même référendum, ce que je voudrais être sûr de gagner, c'est la diminution du nombre de parlementaires. Un référendum, il faut le placer à un moment politiquement, il est utile, on peut le gagner. Donc il faut se garder un petit marge de manœuvre, d'appréciation. Mais la diminution du nombre de parlementaires, je ne voudrais pas que vous les preniez, ce n'est pas une mesure démagogique, même si naturellement elle est utile pour faire passer le référendum. Mais moi je veux un Parlement plus fort, plus puissant, avec je veux des parlementaires qui aient des moyens pour travailler plus importants. Je veux un Parlement qui exerce son droit, sa responsabilité, sa compétence en matière de contrôle du gouvernement. Et pour ça, je pense qu'il faut réduire le nombre de parlementaires. D'abord parce que les Français n'accepteront pas qu'on donne des moyens supplémentaires au Parlement sans réduire le nombre de parlementaires. Et ensuite parce que il y a trop de parlementaires et d'une certaine façon, ça affaiblit la place et le rôle de chacun dans le concert des institutions. Alors voilà ce que vous ferez si vous êtes élu. On revient un petit peu en arrière. Pour être élu, de quel côté allez-vous aller? Alors sans comprendre, je vous cite un conservateur moyenâgeux, est-ce que vous sentez qu'il existe une inquiétude chez les jupéistes, les centristes, une inquiétude que je qualifierais de l'Odette Serpette? Est-ce que vous la percevez, cette inquiétude qui dérive sur la droite? Je pense qu'elle existe dans le petit microcosme, elle existe ici dans le 8e arrondissement, dans le 7e arrondissement, mais elle n'existe pas dans le pays profond, ou alors elle existe chez les responsables politiques, mais il n'y a pas très longtemps, Alain Juppé est venu dans mon bureau avant les épisodes les plus récents, là, pour qu'on parle ensemble, et on a évoqué nos différences sur le programme. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a des différences de rythme, d'amplitude. Il y a des différences d'amplitude. Mais, le sport à la primaire aussi. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas de désaccord profond entre nous sur le type de société dans lequel on veut vivre. Qu'est-ce que vous partagez avec Sens Commun, François Fillon? Je partage avec Sens Commun le fait que ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés, qui défendent leurs convictions, qui les défendent dans le cadre démocratique et républicain. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup de respect pour eux, comme j'ai du respect pour... C'est aussi vrai de Mélenchon, enfin... Oui, mais enfin, Mélenchon ne défend pas les mêmes valeurs que moi, dans le sens commun. Non, vous partagez les valeurs. Bien sûr, cette façon qu'on a dans notre microcosme parisien de mettre en dehors du débat républicain et démocratique des gens qui ont des convictions qui ne sont pas celles des élites, pour dire les choses simplement, du mainstream... c'est quelque chose que je ne supporte pas. Moi, dans ma majorité, il y a Sens Commun, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà, est-ce que ça va changer tout ça aussi?
Et Charles Millon, je parle avec lui. Il va vous rejoindre ? Mais on parle ensemble, il est... On peut s'interroger quand même. On rappelle qu'il a été élu avec... Oui. Il a pu faire des erreurs dans le passé. Il sait qu'en ce qui me concerne, toute fréquentation du Front National, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Donc si Charles Millon a envie de me soutenir, je ne vois pas pourquoi je ne chercherais pas à rassembler le plus possible les Français qui, justement, peuvent réduire le Front National. Mon objectif, ce n'est pas de les repousser vers le Front National, de faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus au Front National, c'est de les conserver dans ce que j'appelle la droite républicaine. Et pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Pour l'instant, il n'arrive pas à intéresser beaucoup ni la presse ni le public. Va, paraît-il, s'exprimer samedi prochain et, une fois la liste définitive des candidats établie par le Conseil constitutionnel, donner un certain nombre de grandes lignes ou de, je ne sais pas si vous parlez, des recommandations. Est-ce que vous pensez qu'il doit avoir un rôle, qu'il doit intervenir dans cette élection présidentielle ? Bon, il peut faire ce qu'il peut. Simplement, je pense qu'il est assez largement disqualifié compte tenu du bilan qui est le sien et je ne suis pas sûr que. Un candidat ait très envie d'avoir son soutien. En soutien, vous espérez qu'il soutienne Emmanuel Macron, c'est bien ça ? C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui pensez. Non, mais enfin, il faut reconnaître que ce quinquennat aura été calamiteux et qu'un président de la République qui se retrouve dans une situation où il n'est pas en situation de se représenter, c'est pas qu'il ne souhaitait pas se représenter, il n'est pas en situation de se représenter. C'est inédit depuis le début de la Ve République. Voilà, c'est la réalité de la situation politique de notre pays. Et s'il y a autant de tensions aujourd'hui, s'il y a autant de désordre, ma conviction, c'est que c'est pour une large part parce qu'il n'y a pas d'autorité à la tête de l'État depuis 5 ans. International, vous avez expliqué à plusieurs reprises, et ça fait encore, que vous aviez... travailler avec l'Allemagne et essayer de convaincre l'Allemagne qu'il fallait accepter d'en passer par un moment où la France ne respecterait pas cet engagement européen, pour mieux revenir ensuite dans les trous. Est-ce que vous êtes absolument convaincu que ça peut passer comme ça ? Ah oui, je suis absolument convaincu parce que l'Allemagne, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir une France qui soit debout, solide, à ses côtés pour piloter la renaissance d'un projet européen. Mais on y a fait le coup, assez souvent. Oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Parce que si vous ne réformez pas la France, vous ne réduirez pas les déficits. Vous pouvez toujours essayer de prendre l'engagement de passer en dessous de 3% de déficit sans réforme, vous n'y arriverez pas. Et les Allemands, ils le savent très bien. Donc ils n'ont aucune confiance dans ceux qui leur disent que sans réforme structurelle, on va réduire les déficits en France. Ils savent parfaitement que pour réduire les déficits, il faut un choc de compétitivité. Le choc de compétitivité, c'est quoi ? C'est 40 milliards de baisse de charges et d'impôts pour les entreprises, qui viendront s'ajouter au CICE, donc c'est 60 milliards en réalité de baisse de charges, qui nous mettront presque au niveau allemand, encore un peu au-dessus. Le choc de compétitivité, c'est la réforme de la fiscalité de l'investissement que je proposais tout à l'heure. Parce que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi. Si cela occasionne un petit décalage dans la baisse du déficit, puisque je propose en gros, je pense qu'on sera à 3,7 en 2017, on sera autour de 3,5, 3,6 en 2018 et qu'on passera en dessous de 3 en 2019, ça va très bien aux Allemands, de mon point de vue, si dans les 3 premiers mois, on enclenche les réformes. On montre que la France est un pays sérieux qui a enclenché des transformations profondes. L'Allemagne sait qu'elle ne peut pas diriger l'Europe toute seule. Et l'Allemagne, elle commence à s'inquiéter, en tout cas les dirigeants allemands, commencent à s'inquiéter du délitement de l'Europe. Et les Allemands n'ont pas du tout l'envie de porter tout seul la responsabilité de cette situation. Donc ils ont besoin de la France, ils le disent, et ils ne le disent pas simplement pour nous faire plaisir, il y a une vraie attente. Et donc cette attente, on la comblera d'abord en nous remettant debout. Et une fois qu'on est debout, on peut avec les Allemands piloter ce que j'appelle la renaissance du projet européen, c'est-à-dire une zone euro avec une fiscalité
est harmonisé, qui soit capable de tenir tête d'un côté à l'Amérique du Nord et de l'autre côté à la Chine. C'est des frontières défendues, c'est une défense commune, et c'est des investissements puissants dans les domaines qui sont les domaines d'avenir de l'économie, le numérique, les nouvelles technologies. Voilà. C'est ça le projet européen. C'est le projet européen, je voulais le relancer. Vous expliquez dans votre discours, par exemple, que vous le relancez en le recentrant sur des missions prioritaires. Quelles sont les missions que vous souhaitez que l'Europe abandonne ? Dans un premier temps, je propose de laisser l'Europe continuer sa vie, et c'est-à-dire je parle des institutions, des traités, etc., parce que je pense que ce n'est pas réaliste de vouloir renégocier les traités européens à 28. Renégocier les traités européens à 28, c'est d'abord beaucoup de temps, ça va prendre des mois, des années, et à la fin on aura un résultat qui sera un compromis insatisfaisant. Normal, à 28, c'est très difficile. 27, hein. Ou à 27, ça sera très difficile d'arriver à un compromis. Les Anglais, c'est quand même nettement plus simple. Un compromis, non, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que les Anglais qui vont poser problème. Donc on sera bien de faire des concessions. On fera des concessions aux Polonais. Les Polonais nous font des concessions. Et à la fin, on aura un traité qui sera un compromis que les peuples n'accepteront pas, que les peuples refuseront. Le peuple français considérera que dans ce traité, il y a des choses qui seront inacceptables et on ne voudra pas. Le peuple polonais dira la même chose. C'est déjà arrivé. Et c'est déjà arrivé. Donc ma conviction, c'est que cette voie-là, pour le moment, elle est fermée. Bon. Dans la campagne des primaires, Nicolas Sarkozy avait dit un jour qu'il se faisait fort de faire renégocier le traité européen en quelques semaines. Et il avait utilisé, il avait dit ma méthode, j'enferme les chefs d'État et de gouvernement dans une pièce, je ferme la clé, et ils ressortiront que quand ils auront négocié un nouveau traité. Je lui avais dit qu'il fréquentait trop le Vatican, et à mon sens, ça ne pourrait pas marcher. Donc la proposition que je fais est différente. Pour l'instant, on laisse vivre l'Europe comme elle est, mais à côté de cette Europe, on lance 4 ou 5 initiatives stratégiques qui vont en modifier la perspective, le fonctionnement et le contour. Et la plus importante pour moi, c'est la zone euro. Pourquoi ? Parce que la zone euro existe, qu'elle rassemble moins de pays, des pays qui sont plus proches historiquement, et qui donc peuvent plus facilement coopérer ensemble. Je voudrais que cette zone euro soit dirigée par un gouvernement économique composé des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas compliqué à désigner. Que ce gouvernement économique ait un secrétariat, ne soit pas la Commission, et un secrétariat léger, et que ce secrétariat mette en œuvre un agenda d'harmonisation fiscale. 5 ans pour harmoniser la fiscalité des entreprises, 10 ans pour harmoniser la fiscalité des ménages. Et là, on enclenche une transformation profonde, puissante de la zone euro, et à terme, l'objectif que je veux qu'on se fixe, c'est d'avoir une monnaie européenne qui soit une monnaie internationale. Et pour avoir une monnaie internationale, il faut qu'elle soit assise sur une zone qui soit fiscalement harmonisée. Et le jour où on aura une monnaie internationale, c'est du long terme, j'en suis parfaitement convaincu, mais si on ne commence pas aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Le jour où on aura une monnaie internationale, on aura une Europe qui sera plus souveraine, plus indépendante. On pourra dire non aux États-Unis quand ils imposent à travers le dollar la législation américaine à toutes les entreprises du monde, et on pourra en tout cas résister à des Chinois qui vont mettre en place une monnaie convertible, et quand ils auront mis en place cette monnaie, ils nous obligeront à utiliser leur monnaie dans les échanges internationaux, en tout cas dans les échanges avec la Chine. Donc on va se retrouver, si on ne fait pas ça, coincé entre un dollar qui reste la monnaie de référence et une monnaie chinoise qui demain deviendra une monnaie puissante. Je pense que l'objectif qu'on avait en mettant en place l'euro, je n'étais pas peut-être pour au début, mais au moins que cet objectif soit atteint, c'était bien d'avoir une monnaie internationale qui assure l'indépendance et la souveraineté de l'Europe. Et donc quelles sont ces missions de l'Europe que vous abandonnez ? J'abandonne. Pour l'instant, je la laisse fonctionner. Donc on continue de recentrer sur des missions prioritaires. Je crée. La zone euro, c'est les pays membres de la zone euro. Les frontières, moi je crée un cahier des charges des frontières européennes, c'est-à-dire que j'explique comment les frontières européennes doivent être protégées, défendues, à quel cahier des charges elles doivent répondre. Et ensuite, les États qui acceptent ce cahier des charges rentrent dans le traité de Schengen. Ceux qui n'acceptent pas, ils restent en dehors de Schengen. François Fillon, est-ce qu'aujourd'hui la Turquie est un pays dangereux ou devient un pays dont la politique... D'abord, ce n'est pas un pays européen. C'est un pays qui n'a pas vocation à entrer dans l'Europe. Le peuple turc et la nation turque que de reconnaître, que de dire aujourd'hui aux Turcs que
cette négociation qui dure depuis presque 30 ans est une impasse et qu'il faut mieux le reconnaître et s'engager dans un autre type de dialogue avec la Turquie. Après, ce n'est pas la Turquie qui est dangereuse, c'est son gouvernement, c'est en particulier M. Erdogan qui se conduit aujourd'hui de façon de plus en plus irrationnelle, dangereuse, autoritaire, et qui fait peser une menace sur les équilibres de cette région. Donc voilà, la Turquie est une nation qui survivra à M. Erdogan. Pour l'instant, il y a un danger qui est lié au comportement du président et du gouvernement turc. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on aurait dû interdire la venue hier du ministre turc ? J'ai pas dit qu'il fallait interdire les réunions des Turcs qui vivent en France et veulent se réunir. Cette liberté de réunion, elle existe. Ce serait complètement idiot de leur interdire de se réunir. Mais en l'occurrence, il y avait une situation particulière. C'est que le gouvernement turc venait d'insulter dans des conditions inqualifiables l'Allemagne et la Hollande. Et la solidarité avec la Hollande, la France aurait dû prendre une position de refus de la tenue, enfin de la venue du ministre à cette région. Vous nous avez parlé de la politique économique commune de l'Europe. Est-ce que vous avez la même exigence sur la politique étrangère ? Idéalement, oui, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la politique européenne n'existe pas. Ou alors, quand elle existe, elle conduit à une sorte de, comment dire, de politique moyenne qui vient entraver les possibilités de la France d'avoir sa propre politique étrangère. Donc, je pense que partager des moyens diplomatiques communs, faire des économies d'échelle dans l'organisation de notre système diplomatique, très bien, mais il n'y a pas de politique étrangère vraiment européenne. Il doit y avoir une politique étrangère française, et cette politique étrangère française, malheureusement, je reproche qu'elle ait été aussi faible depuis 5 ans. Et vous, président, la politique étrangère de la France, elle se fera à l'Élysée ou au Quai d'Orsay ? Qui est le responsable de la politique étrangère, le ministre des Affaires étrangères, il est là pour la mettre en œuvre. Un collaborateur ? Non, c'est... Le président Giscard d'Estaing me dit toujours, quand je le rencontre, qu'il faut choisir comme ministre des Affaires étrangères l'ambassadeur le plus gradé dans la carrière. Voilà. J'ai pas dit que c'était mon choix. Mais, on va chercher. Mais le ministre des Affaires étrangères, s'il y a vraiment un domaine qui est réservé, c'est bien celui de la politique étrangère. D'ailleurs, c'est compréhensible, c'est le chef de l'État, avec la légitimité démocratique qui est la sienne, qui doit conduire la politique étrangère du pays. Alors, vous, président, comment est-ce que vous qualifieriez les relations que vous voulez établir avec Israël ? On vous réservait le meilleur pour la vie. Le reste, c'était juste l'introduction, maintenant, on va parler du sujet. Bon, ma position n'est pas du tout originale, c'est une position très classique que j'ai toujours défendue. Israël doit être défendu par la France parce que c'est un État démocratique, parce que Israël est menacé par la plupart des États de la région. Et donc la sécurité d'Israël est un bien commun qui doit être protégé par tous les États démocratiques. Je crois à la solution des deux États. Je pense qu'il faudra qu'il y ait un jour sans quoi on ne trouvera jamais de solution au conflit de cette région, enfin ce conflit. La troisième chose que je vais dire, vous applaudirez plus, c'est que la création de cet État palestinien ne peut procéder qu'un accord d'Israël et des Palestiniens. Même si la France et la communauté internationale doivent tenter d'encourager cette solution, c'est Israël et les Palestiniens seuls qui peuvent prendre ces décisions. Pourquoi ? Parce que s'ils n'apprennent pas d'un commun accord, ça ne fonctionnera pas. C'est pas la peine d'essayer de faire fonctionner des objets diplomatiques qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois que vous allez répondre à votre question, François Fillon.
vous avez accepté de passer ce moment ici au CRIF et donc de répondre aux questions de l'Assemblée. On va passer pour un quart d'heure, j'ai coutume de dire, à des questions. Éviter les analyses, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Donc, si vous voulez que M. Fillon puisse répondre aux nombreuses questions, il faut vraiment que ça reste des questions. Alors, vous noterez que cette fois, la formule a changé, il n'y a pas de micro dans les allées. On vous fera passer un micro à chaque fois. M. Fillon, bonsoir. Merci d'être l'invité des allées du CRIF. Je voulais vous poser la question suivante. En quoi, selon vous, les valeurs du judaïsme peuvent-elles être un enrichissement pour la France? Parce qu'elles font partie de l'histoire commune, parce que le judaïsme est présent en France depuis des temps immémoriaux, les juifs ont très largement participé à la construction de la nation française, qu'ils ont une responsabilité dans cette culture commune que j'évoquais tout à l'heure, et que leurs valeurs sont les nôtres. Si je peux me permettre de m'approprier les valeurs du judaïsme. Une autre question? On va passer au front et il reviendra. Monsieur Fillon, vous nous avez parlé de votre expérience tout à fait intéressante de la rencontre avec le président Hassan Djani, dont je rappelle qu'il est considéré comme un modéré. Et je rappelle également qu'il était chef du gouvernement à l'époque de l'attentat contre l'AMIA à Buenos Aires, et dans lequel il a probablement beaucoup trempé. Et quelle est la... Vous avez dit qu'il est chef de gouvernement pendant 5 ans, dans un gouvernement qui est extrêmement ferme contre l'Iran. Et quelle serait votre position à l'heure actuelle devant les récents développements avec l'Iran, et notamment devant les accords qui ont été pris par les Américains et le gouvernement iranien? C'est une question très difficile, hein, parce que je pense que c'est ma conception de la politique étrangère, des relations internationales, il y a des réalités, et ces réalités reposent d'abord sur les nations. Au Proche-Orient, il y a quelques grandes nations qui ont les caractères d'une nation. Il y a la Turquie, et il y a l'Iran, c'est une nation avec son histoire, avec sa culture, avec son unité. Il y a l'Égypte, c'est une nation, il y a Israël, une nation. Voilà, après on commence déjà à chercher. Hein. Les autres constructions sont des constructions récentes, liées à la colonisation, liées à des décisions prises par les Occidentaux, et on voit que l'Irak, c'est pas une nation. La Syrie, c'est un peu plus compliqué, mais enfin... Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'arriverez pas, à long terme, à trouver des équilibres et des solutions pour construire la paix dans cette région si vous ignorez ces nations. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut accepter leur comportement. Mais la voie étroite que je propose, c'est celle qui consiste à parler avec tout le monde et être extrêmement ferme sur les principes. Les principes, c'est quoi? C'est évidemment le nucléaire, la question nucléaire. C'est la relation avec Israël. Je pense qu'on ne peut pas accepter une relation diplomatique normale, sans de confiance, avec un pays qui continue à prôner la disparition d'Israël. Donc c'est un préalable à la construction de cette relation de confiance. Mais il faut continuer à parler. Si on ne parle pas, on laisse ces pays s'enfermer dans une attitude... Ben je vais prendre un autre exemple qui est plus facile que celui de l'Iran, parce que je sais que le sujet, évidemment, c'est le sujet le plus sensible compte tenu de la relation entre Israël et l'Iran. Et je vais prendre l'exemple de la Russie. La Russie est un pays que nous avons d'une certaine façon poussé à la radicalisation. Cette radicalisation aujourd'hui est, de mon point de vue, préoccupante, notamment sur le plan militaire, et c'est nous qui sommes, enfin, on est pour une part à l'origine de cette radicalisation, parce qu'on a eu une attitude vis-à-vis de la Russie, notamment après la chute de l'Union soviétique, qui n'a pas été conforme à ce qu'est l'histoire de ce peuple, sa fierté, son orgueil, sa puissance aussi, parce qu'après tout, c'est le plus grand pays du monde, on ne peut pas le traiter plus vaste. Le plus vaste, c'est ce que je veux dire.
Voilà, donc vous voyez ce que je dis. Garder le dialogue, mais rester extrêmement ferme sur les principes. S'agissant de l'Iran, évidemment, c'est un pays dont on pressent qu'il pourrait évoluer, parce qu'il y a un acquis historique, une culture, et un désir de modernité. Et évident quand on se déplace, en tout cas au moins à Téhéran, dans la jeunesse, et qui est bloqué par un pouvoir politique qui l'empêche d'aller vers cette modernisation. Une question au fond et le micro revient au premier. Bonsoir Monsieur Fillon. Je voudrais vous poser une question sur le sujet des jeunes et des banlieues. C'est un sujet dont on entend assez peu parler. Et j'ai le sentiment que pour non plus simplement convaincre votre camp, être le champion de la droite et du centre, mais vraiment être le président des Français, il faut s'adresser à tous les Français. Et j'aimerais donc savoir ce que vous proposez pour créer un espoir et créer une espérance pour les jeunes qui, j'ai le sentiment, n'adhèrent pas encore ou ne se retrouvent pas forcément dans votre discours. D'abord, il y a une première chose, je sais que ce n'est pas facile à défendre, mais je ne vais pas faire de concessions à mes convictions et à mes engagements. Si on ne redonne pas de l'espoir en termes économiques, en termes d'emploi à notre pays, on n'arrivera à rien du tout. Je ne veux pas dire que c'est parce que les jeunes n'ont pas d'emploi qu'ils rejettent la société et qu'ils, pour certains d'entre eux, dérivent, mais enfin, c'est quand même une raison, c'est une des raisons. Un pays qui n'est pas capable d'offrir des emplois à sa jeunesse, c'est un pays que sa jeunesse a du mal à aimer. Certains donc la quittent pour aller réussir ailleurs, et d'autres se rebellent à l'intérieur du territoire national. Donc la question du redressement économique, c'est souvent un débat que j'ai avec mes amis qui me disent « Tu ne parles pas assez de sécurité, tu ne parles pas assez de tel ou tel sujet ». Si, bien sûr, j'en parle, mais la priorité absolue, c'est de redonner de l'espoir, c'est d'atteindre le plein emploi, c'est de redonner aux Français le goût de la réussite, l'envie de réussir, l'envie de se dépasser. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ces jeunes on doit leur proposer de nouveaux parcours en termes d'insertion professionnelle. Beaucoup d'entre eux sont en situation d'échec scolaire. On ne va pas les remettre à l'école, ça ne marchera pas. Il faut donc changer profondément ce que j'appelle l'apprentissage, l'alternance, et offrir des parcours sur mesure, le plus professionnalisé possible, à des jeunes qui ont rejeté le système scolaire, qui sont complètement dehors du système scolaire. Je voudrais qu'on ait 1 million d'apprentis en France, on a 300 000. Je voudrais que l'enseignement professionnel soit complètement reconfiguré. Je voudrais que les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis fusionnent. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous n'offrez pas aux jeunes des banlieues un parcours qui permette de les ramener vers un emploi, ce qui suppose une nouvelle formation, la plupart d'entre eux n'ont pas cette formation. Ils ont, à cause de l'échec du système scolaire, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les armes qui sont nécessaires pour s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc il faut changer, il faut leur offrir des parcours d'insertion à travers l'alternance où les entreprises, les professionnels, les métiers soient complètement impliqués. Au lieu d'avoir des systèmes publics avec des enseignants, avec des travailleurs sociaux qui vont essayer de reprendre en main ces jeunes, ce qui dans la plupart des cas ne fonctionne pas malgré la bonne volonté de tous ces professionnels, il faut qu'ils soient remis dans le monde du travail. Et à chaque fois que j'ai vu fonctionner des expériences de ce type, c'est-à-dire des lieux où on accueille des jeunes dans un milieu professionnel tout en leur permettant d'acquérir des connaissances et une formation, ça marche, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que au contact des professionnels, il y a une relation de confiance qui se crée. Il y a une forme de discipline qui s'installe, il y a une forme de respect pour le travail qui s'installe et qui n'existe pas dans le système académique traditionnel. Puis après, eh bien, il faut évidemment apporter à ces banlieues des outils de développement. Ces outils de développement, c'est du très haut débit, c'est des transports qui fonctionnent et c'est des conditions fiscales pour permettre aux entreprises de s'y développer, de s'y installer. Je propose par exemple de créer un statut de travailleur indépendant qui permettra à tous ceux qui veulent se mettre à leur compte de manière autonome,
personnel pour offrir des services à la population, aux entreprises, de pouvoir le faire. Auto-entrepreneur. C'est plus l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est déjà nous qui l'avons créé. Il faudrait qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'on crée un statut pour ce qu'on appelle les Uber, pour dire les choses simplement, qui aujourd'hui pose problème parce qu'il n'y a pas de statut, parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale, en tout cas pas suffisamment. Mais je pense qu'on peut créer 1 million d'emplois avec un statut de travailleur indépendant qui va permettre à des jeunes de créer leur activité professionnelle et d'offrir leur service aux entreprises. Toutes ces réponses sont ensemble. Écrive un plan, mais qui est un plan, pardon, mais qui est assez technique au sens où c'est une série de mesures. Beaucoup de vos amis politiques, depuis que vous avez remporté la primaire, vous disent que vous devez rajouter une part de rêve dans votre programme. Aujourd'hui, j'ai été très frappé. Vous avez commencé votre allocution dans la conférence de presse en disant « je ne demande pas des efforts aux Français ». Est-ce que c'est, de votre point de vue, on dirait une concession faite à tous ceux qui vous disent que vous devez faire rêver, on ne parle plus d'efforts, on parle d'argent. Non, non, c'est simplement pour dire que c'est caricatural de dire que parce que je demande un peu, je pense que tout le monde va devoir travailler un peu plus, pour gagner un peu plus et surtout pour dépenser un peu moins d'argent public. On me dit que c'est un effort surhumain. Bon, attendez, jusqu'en 2000, on travaillait 39 heures. Jusqu'au début des années 80, on partait à la retraite à 65 ans, alors qu'on avait quasiment 10 à 15 ans d'espérance de vie de moins. Ce que j'ai voulu, c'est relativiser cette notion de sang et de larmes. Quand on dit Fillon, c'est du sang et des larmes. Mais vous acceptez d'être impopulaire, pourtant, on l'avait dit tout à l'heure. Oui, j'accepte d'être impopulaire, mais je pense que beaucoup de Français, en réalité, se reconnaissent dans le projet que je défends, parce qu'ils ont compris que c'était un projet qui débouchait sur des progrès, qui débouchait sur du pouvoir d'achat supplémentaire et sur des emplois et sur un espoir. Je vais vous dire cette histoire de rêve, moi, j'ai toujours été extrêmement prudent avec les hommes politiques qui faisaient rêver. Parce qu'en général, le réveil est extrêmement brutal. Dans le paysage de la primaire, mais de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui nous fait rêver? Vous avez des candidats qui vous font rêver? Oui, il y a M. Hamon, il vous fait rêver parce qu'il vous dit 32 heures, revenu universel, cannabis en vente libre. Ok, d'accord, ça fait rêver. Moi, ça ne me fait pas rêver. Je crois que ça fait beaucoup de Français. Non, mais ça, c'est des slogans. C'est des slogans, bien sûr. Vous en avez un? Oui. Slogan? Ok. On ne peut pas le dévoiler comme ça. Oh, bien sûr, il n'y a personne. Mais hier. Le cœur de mon projet, c'est la liberté. Voilà. On trouve ça pour vous. François, moi, je ne suis pas, c'est pas une question tout à fait objective parce que je suis député UDI et j'ai décidé après le premier tour de soutenir François Fillon, comme certaines juridiques notamment. La condition que François Fillon est vraiment le meilleur candidat pour la France. Alors je voudrais revenir à une question qui me tient très à cœur. Je suis représentant notamment au-delà des franco-turcs, on parlait de la Turquie, mais des franco-israéliens. Et une question qui est centrale, pas simplement chez les Français juifs, pas simplement chez les amis d'Israël, mais pour tous les Français qui prient de vérité. Moi, je suis en colère contre mon pays, contre la France, qui a voté une première fois en s'excusant à l'UNESCO pour le fait que Jérusalem, qui est le centre historique, qui est la capitale unique, éternelle des années, le peuple juif pleure Jérusalem, et nous, Français, après avoir voté pour une résolution qui faisait des deux lieux les plus sacrés du judaïsme, que sont le mur des occidentales et le Har HaBayit, le mont du Temple, après avoir voté pour cette résolution, j'ai eu des excuses, un peu gêné pour la première fois du Premier ministre à l'Assemblée nationale en expliquant que c'était une erreur et que ça ne se produirait pas. Le président de la République, on se rendait aux obsèques de Shimon Peres, et m'a assuré que la France allait changer, et après on s'est abstenu. J'aurais beaucoup aimé avoir de ta part, François, concernant Jérusalem, ta position et des paroles fortes par rapport à la centralité de Jérusalem dans le peuple juif. J'ai pris position au moment où la France a voté cette résolution de l'UNESCO, pardon, j'ai pris position contre. Je dis que la France aurait dû voter contre. Parce que c'est une résolution qui donne bien de la réalité de la présence des religions à Israël, en Israël, à Jérusalem. C'est une résolution qui ignore l'histoire et qui, de ce point de vue, ne peut, j'allais dire, de rendre plus difficile la solution des problèmes de cette région. Merci.
bonnes choses ont toujours une fin. Donc, avec la permission de M. Fillon, peut-être deux dernières questions. Alors, une dame peut-être là-bas, on entend une voix féminine, voilà. Oui. Monsieur Fillon, merci. Que comptez-vous entreprendre concernant la menace islamiste sur la France ? Alors, plusieurs choses. D'abord, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a pour moi une menace que j'appelle la menace du totalitarisme islamique sur une partie du monde. Cette menace, elle ne peut être combattue que par une alliance très large. C'est la raison pour laquelle je déplore que la France ait choisi un camp, le camp des sunnites contre l'Égypte, le camp occidental contre la Russie. Je pense qu'il n'est pas possible de combattre ce danger sans une alliance très étroite de tous ceux qui sont en mesure de le combattre. C'est la raison pour laquelle je considère que la Russie doit être intégrée une alliance pour combattre le totalitarisme islamique. On n'est pas d'accord sur tous les sujets avec la Russie, mais on n'était pas d'accord avec l'Union soviétique non plus quand il s'agissait de combattre Luther. Ça ne nous a pas empêché de le faire et c'était nécessaire. Et si on ne l'avait pas fait, Luther serait sans doute resté plus longtemps. La deuxième chose que je dis, c'est qu'il faut, il faut être beaucoup plus ferme dans la lutte contre tous ceux qui vont mener le combat contre nous, notamment en Syrie et en Irak. Et je propose un certain nombre de mesures très simples qui suffit d'appliquer, qui ne demandent pas d'ailleurs d'évolution de la législation française. Premièrement, depuis le Front populaire, il existe une loi qui permet de retirer la nationalité française à tout Français qui retourne les armes contre son pays. Deuxième loi qui est tombée en désuétude, que je propose qu'on mette au bout du jour, ça s'appelle le crime d'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'une personne dont on établit la preuve qu'elle est en relation avec un ennemi de la France peut être traduite dans les tribunaux et condamnée. Ce qui permet d'aborder la question de ce qu'on appelle les fichiers S d'une manière qui est conforme à nos traditions juridiques, au respect du droit et des libertés. Il suffit simplement, quand on mène une enquête sur quelqu'un et qu'on a la conviction que cette personne est en relation avec notre adversaire, c'est-à-dire avec l'État islamique ou avec n'importe quel autre mouvement poursuivant les mêmes objectifs, on peut l'arrêter et la passer en jugement. La troisième chose que je dis, c'est que toutes les personnes qui constituent une menace pour tous les étrangers qui constituent une menace pour la sécurité nationale, parce que ça correspond à des critères, doit être expulsé du territoire national. Et enfin, je pense que nos concitoyens, nos amis musulmans, nos concitoyens d'origine musulmane, de religion musulmane, partageront cette proposition. On doit interdire les associations, les structures qui se réclament de mouvements qui sont en contradiction complète avec les valeurs de la République. Je veux parler des salafistes et des frères musulmans. La jeunesse est en l'avenir de notre pays. On va laisser la dernière question à monsieur. Monsieur le Premier ministre, bonsoir, merci à vous. Je voulais vous poser une question qui émergeait dans la salle. En ce qui concerne le BDS, votre positionnement sur ce boycott qui est contraire aux règles internationales, qui est contraire aux principes qui sont les nôtres. Donc je suis totalement contre et je condamne tout boycott. On aura d'autres occasions de recevoir M. Fillon, peut-être, lorsqu'il sera président de la République. Et vous aurez d'autres questions à vous poser. Alors, je voudrais remercier, bien sûr, d'abord François Fillon de s'être venu nous voir aux amis du CRIF et remercier nos deux talents.
Ménard et Nicolas Métourage.